Le prochain défi va vous demander de vous envoler avec le kit de vol d'Iron Man dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, je pense que vous allez pouvoir trouver le kit de vol d'Iron Man dans des coffres d'Avengers. Donc le kit de vol, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici en face de moi. Donc ce sont les bottes d'Iron Man. Donc ça, c'est la première solution, c'est de les trouver dans des coffres d'Avengers. Ensuite, la deuxième solution, c'est de fouiller des coffres de Stark Industries que vous allez pouvoir trouver principalement aux emplacements que je vais vous montrer. Donc ici. Alors ensuite, ici, à côté de Parvis Fatalis, ensuite au-dessus de Nitrodrome et à côté du Mont Blanc, je pense. Ouais, voilà, juste ici, à côté du gauche du Mont Blanc. Après, il y a peut-être plus d'emplacements, il y a peut-être plus d'emplacements de coffres aussi hein, de Stark Industries. Mais voilà, je vous montre ceux que je connais actuellement. Donc quand vous allez les ouvrir, ben, vous aurez de grandes chances d'obtenir le pouvoir d'Iron Man, enfin de vol. Après, vous avez encore une autre solution, c'est de fouiller les supports d'armure d'Iron Man. Donc les supports d'armure, c'est ce que vous voyez juste ici, qui apparaissent au bout de la première tempête. Il y en a plusieurs qui vont apparaître dans la map et ils seront représentés par ce petit logo. Donc quand vous allez tout simplement dans l'armurerie, vous allez interagir ici. Et là, regardez, vous avez la possibilité d'obtenir les pouvoirs d'Iron Man. Alors j'ai une petite hypothèse, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas encore confirmé. Mais quand vous avez un masque rouge comme ça d'Iron Man, bah, vous êtes peut-être sûr à 100% d'obtenir les deux pouvoirs. Donc ça à vérifier, je ne suis pas sûr. Mais voilà, ce serait un petit avantage. Enfin bref, quand vous avez le pouvoir d'Iron Man, donc de vol, là ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous envoler avec. Donc vous vous équipez des bottes dans votre inventaire. Et ensuite vous appuyez sur R2 pour tout simplement l'activer. Et dès que vous aurez fait ça dans trois parties différentes, bah, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.